Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour des petites pizzas maison donc à base d'escalope de poulet. La pâte à pizza, ça fait déjà 2 heures hein, qu'elle monte tranquillement, gentiment. Je vous ai déjà fait plusieurs fois donc des vidéos de pâte de pizza, donc je me suis dit on va attaquer directement la garniture. Après, vous savez, c'est une pâte pizza lambda. Hein. Là, il y a 600 grammes de farine, il y a 15 grammes de levure boulangère qu'on a fait tranquillement pousser dans 200 millilitres de lait, 160 millilitres d'eau mélangée et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc là, vous avez l'équivalent de 4 escalopes fines de poulet, à peu près 700-750 grammes. Donc la première étape, c'est de venir découper ça en petits cubes. Ensuite, vous mettez l'assaisonnement de votre choix, mais moi, franchement, je suis vraiment très fan de ces mélanges-là parce que bah, y a presque tout dedans. Parce que vous n'êtes pas obligé hein, d'utiliser le sac à l'intérieur, vous pouvez vraiment faire ça, mettre ça dans un pot, transvaser, je vais y arriver les amis, transvasons cela dans un pot et vous pouvez vous en servir après en faisant comme moi, vous rajoutez une petite cuillère d'huile d'olive et ça fera nickel pour vos assaisonnements. Vous voyez là, il y a de la fécule de maïs, sel, curry, curcuma, coriandre, gingembre, cumin, piment de Cayenne, cannelle, clou de girofle et muscade. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc là, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères à café hein, d'épices, un petit filet d'huile d'olive, on mélange tout ça et on va cuire ça au air fryer, bien évidemment. Donc, il ne reste plus qu'à répartir ça dans la cuve. Et bien évidemment, on n'oublie pas, comme d'habitude, il faudra bien mélanger en cours de cuisson. Allez, c'est parti, on lance ça à 190 degrés, mode air fryer bien sûr. En attendant, parce qu'on ne va pas rester hein, les bras croisés quand même, on vient mettre la petite sauce tomate dans un bol, on prépare le fromage, on découpe ses tomates, on rince ses olives et surtout on vient dégazer sa pâte et préparer les premières pâtes que l'on viendra garnir. Donc surtout, hein, n'hésitez pas à mettre un petit peu de farine dans votre main pour bien rabattre votre pâte. Et pour travailler pareil, hein, les pâtes, vous mettez un petit peu de farine sur votre plan de travail ou votre feuille de cuisson. Vous voyez, à chaque fois, je fais des petites boules comme ça. Hein. Il me reste encore plein de pâtes, hein, vous voyez. Et à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, bien, je viens tout simplement voilà, étendre ma pâte. Alors, à savoir que moi, voilà, une fois que je passe un coup de rouleau, je la retourne systématiquement. Donc, la pâte, elle est retournée au moins 4 ou 5 fois. Je vais aller chercher tout de suite nos escalopes, puisque j'en entends de l'air frayeur. Donc, pour la viande, vous voyez, on est top. Il aura fallu 9 minutes de cuisson. Bon, ensuite, ça va être rapide, hein. Sauce tomate, quelques morceaux de poulet et 2 tranches de tomate. Emmental et olive, et puis ça part en cuisson au air fryer. C'est pour ça que j'ai rajouté cette petite feuille. Ça sera plus simple pour après bah, mettre la pizza dans la cuve. Et on lance ça en cuisson à 185 degrés. Je vous montre le résultat en 6 minutes de cuisson à 190 degrés. Donc pour l'instant, bah, je vais mettre celle-ci déjà dans le plat. Allez, je prépare tout le reste et je vous reprends après. Et voilà, donc je vous montre un plat donc garni de 3 pizzas, donc avec tout ce que vous avez vu comme pâte, j'ai pu faire 8 pizzas, donc c'est plutôt pas mal pour une petite soirée étalée. J'espère en tout cas que cette vidéo, comme d'habitude, vous aura plu les copains, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!